Alors, on va faire un live. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo ou de live. Ça fait un moment que j'en ai pas fait du tout. Et voilà, on va attendre un peu s'il y a quelques personnes qui viennent. Alors, pourquoi j'ai pas fait de vidéo ou de live depuis un certain temps? Eh bien, déjà, c'est les vacances. Donc, voilà, on est là pour en profiter aussi. Il y a eu la Coupe du Monde. Donc, il y a eu le ballon rond où tout le monde courait après, même depuis le salon. Donc là, c'est sûr que c'était pas la peine de trop perturber avec des lives ou de la vidéo pendant cette période de Coupe du Monde. Et puis là, malgré tout, on est entre juillet et août. Hein, les juilletistes qui basculent. Bonjour Christine, Pierre, hello, hello. Il y a du monde qui bascule de juillet à août. Il y a un petit mouvement qui se fait en ce moment. Voilà, il y a des petits signes. Ça rebouge plus que vers fin juillet. Bon, voilà, on est en vacances, c'est normal, c'est classique. Alors, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos? Je dirais, j'ai même arrêté de faire des vidéos sur YouTube ces derniers temps. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Alors, ceux qui me suivent le savent, hein, je suis ou dans l'oxylothérapie, dans un processus santé globale. Corps et mental, on développe au travers d'une école que l'on a créée. Et puis, eh bien, je suis dans le web marketing aussi, marketing internet. Je suis tombé dedans il y a quelques années, dans les voilà fin 99-2000. Après avoir fait Anthony Robbins, j'étais à fond dans le développement personnel. J'adore ça, c'est vrai que c'est fabuleux. Et puis, depuis Bora Bora, où je me trouvais, il fallait que je développe. Hein, je refais un peu de l'histoire par rapport à pourquoi j'en suis arrivé là. Il fallait développer et je me suis mis dans ce qui était Internet, hein, les balbutiements d'Internet à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait quasiment rien. Donc j'ai commencé au tout début avec ce qui existait, c'était les débuts des blogs, les débuts de Facebook, il y a eu Weebr pour ceux qui connaissent tous ces systèmes, ou Google AdWords surtout pour les pubs et autres payantes, ou carrément la plateforme Google, c'était les tout débuts. Et voilà, comme je dis souvent, entre les deux, mon cœur balance. C'est vrai que j'adore le développement personnel. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Il faut y passer. On est dans le développement personnel, mais il y a tellement de choses à y découvrir et à faire. Et puis j'ai aimé à l'époque et j'aime toujours donc Internet. Et il fallait que je fasse une fusion des deux, ce que j'ai fait aujourd'hui dans l'école, donc pour l'oxylothérapie, et puis aussi pour des clients que j'accompagne en web marketing pour ce qui est internet, etc. Voilà, pour faire court, donc ces dernières semaines, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches pour vraiment simplifier le travail par internet. Aujourd'hui, je vois de tout, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a beaucoup de choses. Donc, des gens qui veulent absolument faire des ventes liées à internet. Si on reste focalisé sur internet, ça va être ça le but de ce live. Des gens qui veulent surtout faire de l'argent sur des concepts internet qui maîtrisent pas eux-mêmes souvent. Et puis voilà, il y a de tout et n'importe quoi, je le dis quand même. Et je voulais vraiment trouver pour mes clients le concept qui permet vraiment de A à Z, pour ceux qui veulent vendre des produits et services par internet, de trouver la meilleure façon de le faire. Tout simplement, j'ai tout essayé, je vous assure, j'ai tout essayé. Ouais, j'ai tout fait. Là, j'ai vraiment tout fait, j'ai tout essayé, même tout ce qui était légal ou illégal parfois, parce que je voulais tester, parce qu'on en parlait. J'ai voulu voir, mais c'est pas ça. Donc, j'ai voulu vraiment faire de la recherche. Quasiment tout le mois de juillet, ça a été ça. Donc, j'ai fini, j'aboutis à pas mal de solutions pour créer un énorme trafic. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une solution pour le trafic. Je vous le confirme. Je vais vous donner le nom de ce concept, même si actuellement il est un peu branlant. C'est Facebook, tout simplement. La publicité Facebook, c'est le top du top. J'ai essayé les pubs sur AdCenter. J'ai essayé la pub sur Google AdWords, pour ceux qui connaissent. C'est pas donné. Ça donne pas vraiment des résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Facebook Ads,
l'application publicitaire, on a de super résultats. J'ai là aussi testé, je suis allé jusqu'à avoir un clic toutes les 2 minutes avec une adresse email et une personne qui s'enregistrait pour avoir des informations. Et ça revenait, alors accrochez-vous, hein, ça revenait, là j'ai un compte en dollars, ça revenait à 2 cents du clic pour récupérer une adresse email. C'est de la folie, quoi. Bon, il y a des combines pour ça, il y a des choses à faire, bien sûr, mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, ça, sachez-le, ça existe, il y a des solutions, c'est possible. Là, aujourd'hui, sur mes recherches, dans des publicités beaucoup mieux ciblées, parce que quand je disais 2 cents, donc 2 cents, ça fait 1 centime virgule 5 de l'adresse email. Donc voilà, ce n'était pas forcément trop ciblé ou bien ciblé. Il faut pas perdre de temps, il faut bien cibler. Et là, aujourd'hui, je suis à 17 cents. Là, aujourd'hui, je viens de regarder juste avant de faire le live, à 17 cents. Eh bien, j'ai une adresse email que je récupère. Et de gens que je vais pouvoir fidéliser dans ce qu'on appelle un entonnoir. L'entonnoir, ben oui, c'est à la forme d'un entonnoir. Tout en haut, donc l'entonnoir, et tout en haut, on fait arriver les gens par l'entonnoir. Je vous donne tous les secrets, hein, même ceux qui sont rentrés dans l'entonnoir, vous allez savoir comment ça se passe. Ben vous rentrez par le haut de l'entonnoir, par quelque chose qu'on vous offre souvent. Ça peut être ce qu'on appelle le e-book classique, le fameux PDF format numérique. Et puis derrière, vous allez rentrer dans un système d'autorépondeur qui est entièrement automatisé. Avant ça, il y a deux possibilités, ou bien vous êtes ramené vers une page de vente, ou alors tout simplement vers une page de remerciement dans laquelle on va vous proposer de cliquer sur un lien pour aller voir autre chose. Là, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Et au final, c'est vrai, bon, quand on vend des formations, c'est pas toujours donné, etc. Et au final, plutôt que de donner la solution aux gens d'aller payer, mais voilà, quand on est, bon, je fais des promos pour Anthony Robbins aussi, on est sur, j'appelle ça du haut de gamme, quand on est dans des tarifs à plus de 1000 euros, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup. Les gens vont pas aller cliquer, ou c'est rare, ou très rare, vont pas aller cliquer, mettre la carte et acheter, les yeux fermés. Donc là, la solution que j'ai trouvée, c'est d'automatiser le tout. Alors, je l'avais vu, j'ai cherché, j'ai étudié chez d'autres, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas inventé, je suis en train de l'améliorer, de le peaufiner pour le rendre plus francophone, on va dire. Eh bien, c'est tout simplement de permettre aux gens de prendre un rendez-vous pour un coaching. Et puis là, on discute, on interroge les personnes. Les gens se rendent compte qu'on est authentique, on n'est pas une machine, on n'est pas derrière un système de monétisation automatique, robotisé, qui renvoie vers une formation sans aide, sans rien, sans SAV, j'appelle ça. Non, pas du tout. Ils se rendent compte qu'on est derrière au téléphone quand on les appelle des êtres humains, qu'on est passionné, que l'on aime ce que l'on fait. Et puis ça rassure surtout, surtout. Donc comme je disais, quand on est sur des montants à plus de 1000 euros, et puis là, bon, on peut discuter, voilà, c'est fabuleux, même si les gens n'achètent pas la formation, d'échanger, de leur faire même un coaching. C'est ce que j'aime le mieux maintenant dans ce concept que je suis en train de développer de plus en plus. Et même si les gens ne viendront pas à ma formation, je sais que je leur ai rendu service par ce coaching, c'est sûr. Ils vont y voir plus clair et il se passera certaines choses dans leur vie, très certainement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui dans le web marketing. Depuis longtemps, donc depuis 99, comme je disais, depuis Bora Bora, la petite île de Bora Bora, j'ai découvert que la fusion des deux, le développement personnel et le web marketing, j'appelle ça, voilà, c'est indissociable quelque part. On le voit tous les jours sur les plateformes, les réseaux sociaux et tout, ou bien des marketeurs, des gens qui sont dans tout ce qui est marketing internet, ou même des gens qui sont coach, thérapeute, qui fusionnent avec internet. Avec internet, c'est la solution pour se faire connaître, pour parler de ce que l'on fait, pour se rapprocher des personnes, pour se rapprocher des gens et vraiment être à l'écoute Et puis voilà, voilà un peu pourquoi j'étais un peu coupé du monde pendant quelques semaines. Je vais revenir peu à peu par la vidéo et les lives pour vous donner des conseils, des informations, des tuyaux. Donc voilà, si on résumait, aujourd'hui, si vous voulez vraiment développer une activité, bah, par Internet, il faut y passer, c'est sûr. Ça, c'est sûr, vous ne posez pas la question.
Maintenant, est-ce qu'il faut avoir un site internet? Est-ce qu'il faut avoir un blog? Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Il y a d'autres solutions par ce qu'on appelle des tunnels de vente ultra simplifiés, je vous l'assure. Et alors, la cerise sur le gâteau, hein, je travaille sur le web marketing, je fais des recherches, les fameuses recherches et développement, etc. Hello Christian! Et puis ça fait des années que je suis là-dessus. Je finalise vraiment un projet avec un super tunnel de vente. Et en parallèle de ça, c'est Christine qui m'appelle, qui me dit, tiens, tu connais ce concept, cette plateforme? J'en parle là, elle doit être connectée, je l'ai vu passer tout à l'heure. Et effectivement, dans cette plateforme, je retrouve tout ce dont j'ai besoin pour mettre mon entonnoir de vente en place. J'y retrouve des possibilités de faire des sites, des blogs. J'y trouve des éditeurs de vidéos, des éditeurs de vidéos d'audio. Je peux créer des couvertures pour des e-books, créer tout ça. Je peux mettre des vidéos flottantes pour attirer davantage. Dans cette plateforme, on peut faire des webinaires en illimité. Alors, il y a un autorépondeur. Quand je vois combien j'écoute, je paye encore aujourd'hui avec mon autorépondeur Weber. Ça coûte, voilà, c'est hyper pro. Par contre, Weber, c'est très très professionnel, mais ça coûte, voilà, c'est pas donné. Même si on veut un travail, il faut des résultats. Ah oui, Christine. Hello, hello. Le truc top de chez top, ouais, c'est clair. Et dans cette plateforme, il y a de tout ce qu'il faut. On peut même héberger ses formations. Il y a des dizaines et des dizaines. Tout à l'heure, je regardais de tunnels de vente. Des tunnels de vente, des fameux entonnoirs. Mais voilà, on va arriver par la pub. On va rentrer dans un système dit de capture, mais sous différentes formes. C'est merveilleux. Pour offrir le produit à la personne qui, par une fidélisation, finira par acheter le produit ou service, et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai mis beaucoup de temps et d'argent pour arriver à tout ça, par des moyens un peu dispersés. Quand je parle de ça, il y a Facebook d'un côté, il a fallu que j'achète un autorépondeur, c'est une location Weber, il a fallu que je crée des sites internet, il a fallu que je fasse des systèmes d'entonnoir via Optimize Price, pour ceux qui connaissent. C'est un peu barbare le nom, je sais bien. Voilà, plusieurs types de logiciels un peu dispersés pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui. Et finalement, je trouve ça dans une plateforme où tout est rassemblé pour un coût, alors accrochez-vous bien, pour un coût unique ça doit être dans les 44 euros par mois pour ceux qui veulent développer énormément. Et puis seulement une vingtaine d'euros pour ceux qui veulent juste utiliser les entonnoirs et les systèmes que j'utilise. En dépensant des centaines et des centaines d'euros tous les mois d'abonnement. Voilà, ma découverte du jour, et je voulais en parler aussi par rapport à mon bilan des dernières semaines dans toutes ces recherches. Quelque part, voilà, j'ai attiré à moi ce que je recherche, puis aujourd'hui, je vais le partager. Alors, le partager, ça peut être directement, j'en profite, je fais un peu de publicité dans mon live. Dans des week-ends que j'organise et le prochain, alors les prochains, il y en aura au Canada. Donc si vous êtes au Canada, appelez-moi avec plaisir. Sinon, ça sera à Montpellier les 13 et 14 octobre. Et puis surtout après, au travers des masterminds, ou pour ceux qui veulent entièrement arriver, déjà avec un business, il est déjà là, on va vraiment l'optimiser totalement avec toute cette technologie. Et ceux qui ont l'idée, le projet et la motivation. Surtout, je veux des gens motivés. Eh bien, pendant 5 jours minimum, on crée carrément le business avec toute cette technologie qui existe aujourd'hui, mais en méthode, je dirais, simplifiée, totalement simplifiée. Il n'y aura plus à faire tout ce que j'ai fait, tout le parcours et le chemin que j'ai parcouru pour arriver à tout ça. Aujourd'hui, on peut le faire simplement. On peut créer une activité, son activité de vente de produits ou services. Mais d'une façon simplifiée et automatisée. Tout à l'heure, j'ai vu Pierre passer, et il a raison, Pierre. Il dit, oui, moi, je ne veux pas m'embêter avec toutes ces technologies et tout ça, mais ça va répondre à sa demande, ça répond à des gens qui veulent gagner, je le dis, de l'argent. Il faut en gagner de l'argent, hein. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas sale l'argent, hein, attention. Puis on est dans un monde plutôt matériel, on nous en demande tous les jours, donc il en faut.
Et aujourd'hui, on peut vraiment simplifier la vie avec tous ces systèmes de web marketing accessibles à tous. Je dis bien à tous, hein, il n'y a pas à avoir peur. Si vous savez copier-coller, si vous savez cliquer, glisser, utiliser une souris de votre ordinateur, eh bien, c'est accessible. Entre autres, la plateforme que Christine m'a présentée, un clic droit suffit pour y apporter des modifications et c'est tout. Après, il faut enregistrer et c'est en ligne. On a un lien qu'on partage et c'est parti. Le business, eh bien, se déclenche seul et va ramener de l'argent sur votre compte en banque par des systèmes de monétisation via des systèmes comme PayPal, tout simplement. Il y en a plein d'autres, mais le plus connu, c'est PayPal. Et voilà, et c'est tout. Vraiment, tout a été simplifié. C'est vrai que quand je fais un bilan depuis 1999 où je me suis lancé là-dedans, et là on est en 2018, c'est énorme ce qui s'est passé. En 1999, ce n'était pas accessible à tout le monde et à peu de personnes, j'allais dire. Bon, j'ai persévéré, des fois même si j'avais envie d'abandonner. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est disponible pour un petit 20 euros, pour un petit 40 euros, alors là-dedans, 40 euros, oui, il y a des webinaires et tout, c'est ce que je préconise, moi, de faire des webinaires derrière. Quand on dit webinaire, c'est des webinaires à la demande, hein, même si vous êtes comme là, moi je suis en vidéo, je pourrais la mettre directement, cette vidéo en demande, ça veut dire que les gens vont s'inscrire, je vais les fidéliser, entre-temps ils vont recevoir ma vidéo que je viens de faire avec vous en direct, en live, et puis ils vont entendre tout ce que je viens de vous dire. Mais ils seront intéressés, j'en suis persuadé, de savoir qu'il existe autant de technologies, de possibilités aujourd'hui à leur disposition, mises à leur disposition pour développer un business facile et qui rapporte de l'argent. Voilà, voilà mon live d'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai traîné un peu depuis ces dernières semaines et j'étais pas trop vu sur les réseaux, à part de la pub que je faisais éventuellement ou des posts que je faisais. Mais peu de vidéos et peu de live, tout simplement parce que j'ai bossé à fond sur tout ça. Puis aujourd'hui, je suis prêt à vous le partager, voilà, à échanger dessus si vous avez des questions ou autres, même si vous regarderez certainement pour certains la vidéo en différé. Posez des questions, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir d'y répondre avec vraiment un grand plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Hello Virginie. Christine de Nouvelle-Calédonie, ça va, il fait beau là-bas. Voilà, j'en ai fini avec ce live et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Au revoir.